Voilà, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Très heureux de vous avoir en direct ce soir. Connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Connectons-nous massivement. Si vous êtes dans le monde entier, connectez-vous. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous. Et taguez. Si vous avez des connaissances en Côte d'Ivoire, taguez-les, s'il vous plaît, parce que. On va aborder un peu les questions concernant la nation ivoirienne d'Église en Côte d'Ivoire. Un instant. Ok, taguez. Si vous quelqu'un en Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, taguez vos frères et vos soeurs. Si vous êtes hors du pays, partagez la vidéo et à un grand nombre de personnes ce soir. Que Dieu vous bénisse. Au nom souverain de Jésus Christ. Voilà, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, sachez que je suis dans la ville d'Abidjan déjà. Et nous sommes en train de nous préparer pour le grand programme qui va commencer le 4 ce mardi, mardi, mercredi et jeudi, tous les soirs 17h, à, 17 à Yopougon-Sable, dans l'auditorium de la Synepsie. Donc ce sera des moments très forts, des moments de partage, des moments... Où les mystères du royaume de Jésus-Christ seront partagés en théorie et en pratique, où le Seigneur nous fera grâce. Dans tous les cas, nous sommes à Abidjan, nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, quelle que soit la partie du pays où vous me suivez ce soir, vous pouvez tout simplement faire le déplacement et être là pendant ces jours que nous aurons à passer. On a une semaine de travail intense ici à Abidjan. Donc, passez la nouvelle autour de vous, s'il vous plaît. Partagez. Le direct et l'annonce de mon arrivée en, 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 à Abidjan dans tous vos groupes, dans toutes vos pages. Que Dieu bénisse ceux qui prennent à cœur cette œuvre d'évangélisation et de conquête des terres par l'évangile de Jésus-Christ. Donc partagez cela, s'il vous plaît, dans vos pages. Relayez l'information dans vos pages afin que le plus grand nombre de personnes puissent être informées. Nous aimons la Côte d'Ivoire, nous aimons Abidjan. Et je voudrais dire merci comme ça à tous mes fils, à tous mes fils euh, qui ont été avec moi, tous mes collaborateurs qui ont été avec moi dans le cadre du culte national. Que le Seigneur vous bénisse pour votre engagement, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez eu à faire, cette abnégation, cette consécration au ministère. Que la main de Dieu soit sur vous, au nom prêché souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que nous formons une grande famille. Et une famille qui a beaucoup de choses à accomplir. Vous êtes l'espoir du Cameroun. Je parle de la garnison des prophètes. Vous savez que ces choses qu'on a vues écrites dans la Bible, on a vu la garnison des prophètes à l'époque du prophète Élie, on en a vu avec le prophète Élisée, on a aussi vu avec le Seigneur Jésus-Christ qui a formé un assemblage de disciples à qui il a impacté le don de Dieu en lui. Et nous avons vu ce que ça a produit comme fruit. Et je veux dire merci à tous mes fils qui ont pris la chose à cœur, qui se sont mobilisés au palais des sports. Je veux dire merci à tous mes collaborateurs. Je veux dire merci à toutes les mères vertueuses qui se sont engagées à servir le Seigneur à mes côtés. Vous êtes magnifiques, tout simplement. Vous êtes vaillantes. Je me demande toujours qu'est-ce que le monde serait sans la femme et qu'est-ce que l'Église serait sans les femmes. Donc nous bénissons Dieu pour toutes les mères vertueuses. Que Dieu vous bénisse. Je manifeste comme ça ma gratitude envers vous. Merci à ma mère génitrice, maman Marie Zeba, qui est un grand don pour ma vie, pour mon ministère et pour Rema en général. Vous savez que c'est elle, la, la présidente fondatrice des de femmes vertueuses. Nous la bénissons pour cela et demeurons dans la prière à bientôt 115 ans. Elle est encore là, solide, elle marche. Bénissons Dieu pour elle, maman. Que Dieu te bénisse et merci de m'avoir mis au monde. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Parlant de mes fils, je voudrais revenir sur l'église de Dieu en Côte d'Ivoire. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec l'église de la Côte d'Ivoire. Je voudrais revenir d'abord sur les remerciements par rapport à mes fils qui sont mobilisés pour le culte national. Ça a été un moment très fort. Je veux dire merci à toutes des populations qui ont été présentes, à toutes les églises qui se sont mobilisées, à tous les frères et sœurs qui ont pris à cœur la chose, qui ont voyagé pour venir du côté de Yaoundé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. On a passé un moment extraordinaire. C'était très fort. Il faut le dire, c'était très fort dans toutes les dimensions, du début jusqu'à la fin. La présence de Dieu était forte au milieu de nous. Sa puissance était redoutable au milieu de nous. Et nous avons vu ce que la gloire de Dieu a pu faire au milieu de nous. Donc, à mon retour, je pense que je pourrais tenir une réunion euh, pour le bilan avec tous mes fils et toutes mes filles qui ont participé à ce grand programme. Je pense qu'à travers ce programme, euh, j'ai tiré les leçons que je devrais tirer. En ce qui concerne l'affiliation, vous savez, le moment que nous traversons est un moment très sérieux. On ne peut pas blaguer, on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas jouer. Alors... Oui, mais vous ne savez pas que je suis en direct. Toi, tu n'es pas abonné à ma page. Toi, mon fils. Mais si tu es abonné, quand je fais le direct, on doit te faire les notifications. C'est où, c'est pas ça Non, non, comment Tu n'as pas encore reçu. Si tu es abonné, mon fils, tu as, tu as appuyé sur la cloche de notification. Oui, bon. Et si tu as appuyé la cloche de notification, normalement... Si tu appuies la clause de notification, quand je suis en direct, tu sauras. Non, non, mon frère. Je ne sais pas si je vais t'appeler mon fils ou mon frère. Ce n'est pas bien. Vous devez être des modèles et des exemples. J'ai déjà de demandé à Paul pourquoi me persécute. Tu comment Toi, tu me persécutes en pleine direct. Il faut appuyer sur la cloche de notification. Tu comprends <laughs> tu viens, tu viens d'appuyer. D'accord, tout à l'heure, mon fils, sois béni. Hein? Oui, attendez que je finisse, vous, vous allez monter. Hmm. Désolé, c'est mon fils, le, notre pasteur de l'Afrique de l'Ouest, le Reverend Romain. Un enfant fidèle, un enfant sérieux, sur qui je compte. Alors, bien aimé, j'étais en train de dire que par rapport à, au culte national au Cameroun qui a été béni, dites-moi en commentaire si vous avez été béni pendant ce culte, et que ce soit en présentiel ou bien en direct sur ma page, il y a eu plus de 45 000 personnes, 40 000, plus de 40 000 personnes qui ont suivi ce culte. Ça montre l'intérêt, le grand intérêt que les gens ont porté à ce culte national. Moi, je pense que un certain moment, en tant qu'homme de Dieu, on doit amener le chrétien à comprendre qu'avant d'être citoyen du royaume de Jésus-Christ, on est d'abord citoyen d'un pays. Et qu'on puisse apprendre aux chrétiens à être un bon citoyen. Ça, c'est important. Et, et, et le civisme, dans tous les cas, pour être de bons citoyens dans notre nation, parce qu'un bon chrétien bâtit sa nation, contribue à bâtir sa nation. Une bonne église contribue à bâtir sa nation. L'Église qui trouble son pays, c'est-à-dire qui fait le désordre, ou un homme de Dieu qui fait le désordre, ou bien des chrétiens qui font des désordres. Alors je pense, que dans, dans une nation, je pense que ce n'est pas notre vocation. On doit accompagner le gouvernement à bâtir la nation, lui faciliter la tâche. Et je pense que c'est notre responsabilité. Quand on disait Romains chapitre 13, je pense que l'apôtre euh, Paul nous l'a expliqué de façon très claire. Donc, ça a été une occasion pour moi en tant que Père dans ma nation. De, de, de voir les enfants et d'observer mes fils. J'ai appris beaucoup de leçons de là. Mais il y a une chose qui est sûre. Il y a une chose qui est sûre. Si tu as été béni par le culte national, s'il te plaît, dis-le en commentaire. Et si vous avez reçu un miracle, une guérison, une visitation angélique divine, mettez-le tout simplement en commentaire. On va le lire après. Donc vous voyez, j ai, j ai, je suis sorti de ce culte concernant un rapport avec mes fils et mes filles. Je suis sorti tout simplement avec une leçon. Une seule leçon. Vaut mieux un fils. Je préfère avoir un seul fils loyal que d'avoir mille fils déloyaux sur qui on ne peut pas compter. À ah, ça, c'est clair. Je préfère avoir. Et, et ce que j'ai dit est très clair. C'est très, très clair. Nous marchons avec ceux qui croient en nous. Je préfère marcher. C'est-à-dire, à partir du culte national, si je préfère marcher avec un fils loyal, je préfère avoir un seul fils loyal que d'être entouré de 10 000 fils déloyaux. Ah non, non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Je préfère marcher avec un fils qui croit en moi à 100% ou à 200%, qui croit en la vocation que Dieu m'a donnée et qui est prêt à tout faire pour que cette vocation puisse réussir. Un fils... Qui me suis partout où je vais. Vous savez, aujourd'hui, les, les, beaucoup d'enfants qui sont autour de nous, de cette génération, n'ont pas compris la sagesse d'Élysée. Lorsque Élysée a demandé la double portion, il l'a mérité. Son père lui a dit Si c'était ma portion, je te la donnerais, mais la double portion, la deuxième portion, ça ne dépend pas de moi. Tu demandes quelque chose que je ne porte pas. Mais Dieu lui a donné la double portion. Pourquoi Parce que Élie arrive quelque part, il dit à son fils Attends-moi ici. L'éternel m'envoie comme ça. Élysée lui dit Non, je ne Papa, je vais te suivre, où tu vas Et il va aller avec son père. Et puis, Eli va arriver encore quelque part. Il dit, attends-moi ici. L'Éternel m'envoie comme ça. Et son fils lui dit, ah non, 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 non. Je ne te laisse pas, on va ensemble. C'est-à-dire qu'un fils qui ne peut pas supporter les caprices de son père n'est pas un fils. Pensez que le, le manteau, là, tu vas seulement venir. Parce que tu parles, étant courbé comme ça, et puis Dieu va porter ça. Dieu, Dieu n'est pas, Dieu, Dieu pas le Dieu des fourbes. Dieu n'est pas le Dieu des faux. Non, non. Dieu est le Dieu des enfants loyaux. Et la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait à qui il donne le manteau l'héritage. Mais vous posez une question pertinente. Moi, je me, je me la suis posée. Vous regardez le cas de Moïse. Moïse avait son fils Gershom, son fils aîné Gershom. Mais quand le manteau devait être donné à un héritier, Dieu a laissé l'enfant biologique de Moïse, ses enfants biologiques, Dieu les a écartés. Et Dieu a mis son manteau sur Josué qui n'était pas de la famille de Moïse, qui n'était pas son enfant, qui n'était pas son fils biologique, qui n'était même pas son neveu. Il a mis, Dieu a mis le manteau sur lui. Voyez. Ouais. Donc moi je pense qu'il faut que les gens comprennent pourquoi, parce que Dieu n'a pas jugé les fils biologiques de Moïse dignes de recevoir le manteau de leur père, normalement, humainement parlant. Ce sont les enfants de Moïse et Gershom qui devraient recevoir le manteau, l'héritage de son papa. Mais il ne l'a pas reçu. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui sont les cœurs et les reins. Il connaît les cœurs. Tu peux voir quelqu'un qui est avec toi tous les jours, un enfant qui dit au papa c'est pas dire papa, papa, ou bien publier les photos de ton père sur Facebook qui signifie la loyauté. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Un enfant qui s'associe toujours à ceux qui disent du mal de toi, il y a un problème quelque part. Un enfant qui est toujours courant. De ce que tes ennemis pensent et disent de toi, il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Un enfant qui est toujours capable de venir dire Oh, voici ce qu'on dit sur toi. Oh, voici ce qu'on dit sur toi. Voici ce que l'ennemi a dit sur toi. Voici ce que l'ennemi a dit sur toi. Il faut faire attention. Et moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent cela. Lorsque vous voyez, vous continuez dans le même ordre d'idées. Vous prenez l'exemple du souverain sacrificateur Élie. Lorsque le souverain sacrificateur Elie devrait mourir, pendant qu'il était vivant, son manteau devrait tomber sur Ophni et Phineas. Voilà ceux qui humainement devraient recevoir le manteau de leur père. Parce qu'ils étaient engagés dans le ministère avec leur père dès leur bas âge. Mais lorsque le temps d'hériter du manteau et de la grâce du souverain sacrificateur Élie est arrivé, Dieu a donné ça à Samuel. Il n'a pas donné ça aux fils, aux enfants biologiques du souverain sacrificateur Élie. Il a donné ça à Samuel, qui n'était pas de sa famille. Pourquoi Parce que euh, la loyauté, Samuel était plus loyal au souverain sacrificateur Élie que ses propres fils. Samuel obéissait aux instructions que cet homme donnait. Ses propres enfants désobéissaient à ses instructions. Ils étaient déloyaux. Ils montraient l'apparence de la piété, mais pas derrière. Ils étaient déloyaux. Ils dénigraient l'œuvre de leur papa. Ils désobéissaient aux recommandations de leur papa. Ils ne respectaient pas la loi de l'Éternel. Mais euh, Samuel lui prenait très, très au sérieux. Tout ce que Elie disait. Et donc, ça fait que quand le temps d'hériter du manteau est arrivé, c'est sur Samuel que c'est tombé et non pas sur un membre de la famille d'Eli. C'est comme ça que ces choses fonctionnent. Les gens doivent comprendre cela. La loyauté est un esprit, mes amis. La loyauté est un esprit. La loyauté, ce n'est pas dire, oh, je suis loyal, je suis loyal, oh papa, je suis loyal, papa, daddy. Non, ce n'est pas ça. La loyauté est un esprit. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur, en fait. Et vous prenez l'exemple de. de, 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 de... Oui, vraiment. Les choses de Dieu sont bizarres, mes amis. On ne trompe pas Dieu. On peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Les affaires de Dieu. L'église, là. L'histoire de l'église. Les gens doivent prendre ça très au sérieux. Ah, merci à mon frère bien-aimé, le prophète Hassan Kamto. Vraiment, tu me manques, mon frère. Vraiment, je t'ai dit tout à l'heure un message que c'est. Euh, c'est triste d'être ici sans toi. Mais tu as aussi tes responsabilités, ton église que tu dois, tu dois tenir. Que Dieu te bénisse, tes églises. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je t'aime beaucoup, mon frère. Donc, vous voyez, vous prenez l'exemple de Samuel lui-même. Le prophète Samuel a hérité de quelqu'un qui n'était pas son père biologique. Dieu a mis de côté les fils du souverain sacrificateur Élie. Il a donné l'héritage à Samuel qui n'était pas de sa famille. Autour de Samuel lui-même, ses propres enfants, Dieu a refusé de leur donner le manteau. Parce que ses enfants étaient des bandits. C'était des vauriens. La Bible dit que c'était des vauriens. Ils ne craignaient pas le nom de l'Éternel. Un homme aussi fidèle comme Samuel, ses enfants ne croyaient pas en son ministère. Ils n'ont pas adhéré à son ministère. Il faut que les gens comprennent cela. Et vous prendrez aussi l'exemple du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Prenez le cas de Jésus. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, le moment de choisir ses héritiers, ses héritiers, les douze apôtres, il n'y a pas eu un seul frère de Jésus parmi. Ou une soeur de ses soeurs. Il n'y a pas un seul frère biologique du Seigneur Jésus-Christ parmi les douze apôtres. Ils ne croyaient pas en son ministère. C'est après sa mort qu'ils ont commencé à adhérer à son ministère, comme le frère Jacques. Donc il faut que les gens comprennent que la loyauté, mes amis, la loyauté c'est important. Le fait que les frères de Jésus ne croyaient pas en son ministère les a disqualifiés. Mais les apôtres qui n'étaient pas de sa famille ont cru et Dieu les a qualifiés. Leur loyauté les a qualifiés. Donc, et, et, et je, je pense pour moi que nous sommes dans. Les fils doivent comprendre que c'est le fils qui poursuit le père. Ce n'est pas le père qui suit le fils. Un père qui poursuit un fils est malade. C'est un malade mental. Je dis encore un père qui, qui poursuit le fils. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la chasse des fils. On ne cherche pas les fils. C'est les fils qui nous cherchent. Parce que c'est au père de donner quelque chose. L'apôtre Paul a dit c'est aux parents. Ce n'est pas aux enfants de donner un héritage, de laisser un héritage à leurs enfants, mais c'est aux parents de laisser un héritage à leurs enfants. Voilà pourquoi Élisée poursuit Élie. Il suit Élie partout où Élie va. Élie lui dit Attends ici, il dit Non, non, je ne peux pas. Je vais te poursuivre, je vais te suivre partout où tu vas. Élie l'a trimballé pour le tester, pour voir s'il poursuivrait, s'il connaissait la valeur. S'ils si connaissaient la valeur de ce qu'ils demandent. Il y a des enfants aujourd'hui, ils ne sont pas capables de supporter les caprices d'un père. Pas du tout. Ils ne sont pas capables. Pas du tout. Or, oh, un père doit te trimballer. Un père qui porte une notion à donner à sa génération. Et on te trimballe d'abord. On te trimballe, tu vas ici pour voir si tu es vrai, si tu connais la valeur de ce que tu demandes. Un fils qui ne peut pas poursuivre son père, même quand son père le chasse, comme Élie a chassé Élisée, mais Élisée a signé, c'est un fils orgueilleux, il ne mérite pas l'héritage. Et c'est pour cela on a des pères qui meurent avec leur manteau. On ne voit pas des fils. Moi j'ai tenu une réunion avec mes fils après le, le palais de congrès, ceux qui le palais des sports, ceux qui m'ont accompagné à la maison. Et, et puis, ils m'ont dit, ils me disaient, mais papa, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas avec vous. Vous ne faites pas des affiches. Vous organisez des programmes au palais de congrès, au palais des sports. Vous remplissez le stade et vous ne faites pas d'affiches. Vous ne faites pas d'affiches. Non, non, vous ne communiquez pas dans d'autres télévisions. Mais vous le faites tout simplement dans, euh, sur Facebook, à la radio, à la télé. Vous parlez tout simplement. Et tandis que d'autres personnes investissent énormément dans la communication, ont des affiches partout, communiquent dans de grandes chaînes, etc. Pour remplir le palais de sport, et parfois ça ne se remplit pas. Et, et ils disaient, c'est comme s'il y avait un esprit, comme s'il y avait un esprit, comme s'il y avait un esprit qui rassemblait les gens. Et je leur ai dit qu'en fait c'est l'alliance, c'est l'alliance, Ce n'est pas la force d'un homme, c'est l'alliance en fait. Il faut que les gens comprennent cela. C'est une alliance. Donc, moi, je pense que notre génération doit comprendre ces choses-là. Les jeunes, surtout, euh, doivent, comprendre, doivent comprendre ces, ces, ces vérités simples. La loyauté est très importante. La loyauté est très importante. Chaque enfant, c'est chaque enfant qui connaît la valeur d'un père c'est toi qui valorises ton père. J'ai dit qu'un enfant qui ne peut pas s'afficher avec son père, ce n'est pas un vrai enfant, il n'est pas loyal en fait. Si je ne peux pas confesser en public, voilà mon père là-bas. Tu ne peux pas, dans ta page, tu as ta page Facebook, tu suis plus les vidéos des pères des gens, d'un autre homme de Dieu que ton père. Ce n'est pas, pas ton père. Un fils qui est loyal et attaché à son père. C'est-à-dire, il boit les vidéos de son père, il boit les enseignements de son père. Il est à l'image et à la ressemblance de son père. C'est un fils loyal en fait. Mais cette loyauté aujourd'hui, elle est en train de disparaître de l'église. Tu as un fils, ce sont les fils qui, 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 qui parlent mal de leur père. Vous asseyez entre vous, vous parlez mal. Tu as dû ouvrir la bouche pour parler de ton père. Parler mal de ton père. Critiquer négativement ton père. Rectifier ce qu'il fait. Pourtant tu n'arrives même pas à diriger une église. Tu insultes une gloire. Tu n'arrives pas à rassembler dix personnes. Tu insultes une gloire. Tu n'arrives pas à diriger une église de 500 personnes. Mais tu ouvres la bouche pour rectifier l'œuvre de quelqu'un qui dirige des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Quel courage. Quel courage en fait. Et quelle folie. Quel courage fou. C'est la folie. La Bible dit ils injurient les gloires. Et la Bible dit que dans l'affaire de, de Moïse, du cadavre et de Moïse, lorsque l'archange Michel disputait le corps de Moïse avec Satan, la Bible dit qu'il ne porta point de propos injurieux contre Satan. Mais il dit, Satan, que le Seigneur te réprime. Mais là, on parle du diable, mes amis. On ne parle pas d'un homme de Dieu. Il dit, Satan, que le Seigneur te réprime. On parle du diable, il parle au diable. Pourquoi Parce qu'il reconnaît en, en Satan une autorité, une gloire. Même si c'est une gloire qui est tombée, c'est à Dieu de juger Satan. Ce n'est pas à lui l'archange Michel, il reconnaît cela. Il reconnaît que non, ça, non, c'est une gloire. Je ne peux pas parler à Satan n'importe comment, parce que c'est une autorité spirituelle. Donc moi, je pense que... Et beaucoup de fils ne comprennent pas ça aujourd'hui. Et tu dois savoir que lorsque dans ta chambre, tu parles contre ton père, tu es disqualifié. Le Dieu de ton père est là. Le Dieu de ton père, il entend. Tu critiques quelqu'un, tu n'arrives même pas à manger. Tu n'arrives pas, même la Bible, tu ne comprends pas. Tu es, quand tu expliques la Bible, on se demande si c'est le Coran que tu es en train d'expliquer aux gens. Mais tu es un quelqu'un à qui Dieu a recommandé à donner des grandes responsabilité et qui a réussi ou on ne sait même pas si toi tu vas réussir jusqu'à ta mort. Alors si tu méprises ton père, bien-aimé, qui te bénira Si tu méprises ton père, qui te bénira Comment tu peux critiquer quelqu'un qui fait des choses que tu ne fais pas Qu'est-ce que tu comprends dedans Et c'est à cause de ça que beaucoup de jeunes hommes de Dieu dans cette génération sont disqualifiés. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, il se bat dans le ministère, il se bat, il se bat, il se bat, il se bat mais on n'entend rien de lui. On n'entend rien. Il ne fait rien. Moi, je disais à mes fils, quand on a fini le, 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 le culte au palais des sports, dimanche, quand on est arrivé à la maison, on a fait un, un débriefing ensemble. Je leur ai dit que, j'ai commencé le ministère en 2012. En 2013, nous remplissions chaque mois l'agence Le Car à Yaoundé avec plus de 5000 personnes après un an de ministère. Et je leur ai demandé comment vous expliquez que vous, vous, Quelqu'un peut me dire, un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Il n'a pas 500 brebis. Il n'a pas une église de 1000 membres stables. 500 brebis stables. 300 brebis stables. Non. Je leur ai dit, quelque chose ne va pas quelque part. Et je leur ai dit que parfois, il y a des choses que vous faites. Seuls vous et Dieu connaissez. Nous, on ne connaît pas. Et quand tu vois un enfant, il est bloqué, tu pars, tu pleures, tu pries, tu pleures, tu pries devant Dieu. Oh Seigneur, pousse mon enfant, Seigneur, lève mon enfant, Seigneur, restaure mon enfant. Mais tu ne connais pas ce que ton enfant dit dans le secret contre toi que Dieu entend. Tu le vois, il est papa, papa, il te maudit. J'ai eu un problème, j'ai eu un problème euh, à la, euh, pendant le culte, des, le culte, le culte, des, euh, le culte national. J'ai appelé l'un de mes fils. Je l'ai appelé. Et je lui ai dit que j'ai appris. Il y a la femme d'un homme de Dieu qui m'a dit que ta femme. Que toi, tu as dit à la femme de cet homme de Dieu-là que moi, j'ai dragué ta femme. Et sa femme a travaillé euh, dans notre chaîne de radio, euh, radio et de télévision. Que j'ai appris que tu allais raconter à, à tel homme de Dieu, à mon ami, à sa femme. Tu as raconté que ta femme. Je l'ai dragué. Je lui ai dit que mon fils, mon fils, tu parles de ton père. Que moi, j'ai dragué ta femme. Je lui ai dit que je veux voir ta femme. Je veux dire à ta femme que je veux la voir. Et devant euh, la femme de mon ami, votre tante spirituelle, que ta femme dise où moi elle, on s'est assis et je l'ai dragué. Je lui ai dit non, mon frère. Vous êtes courageux. Je lui ai demandé qu'est-ce qui vous arrive même souvent. Qu'est-ce qui vous arrive Et je lui ai dit A à l'époque, à l'époque, j'étais même encore marié. J'avais une femme. Et ta femme t'explique, te raconte que moi, je l'ai dragué jusqu'à ce que tu pas dit ça à la femme d'un homme de Dieu. Et tu m'appelles papa, quand tu me vois, au oh papa, oh me respect Je lui ai dit, je veux voir ta femme. Dis à ta femme que je la cherche. Je veux la voir. Et elle va dire devant la maman là, où est-ce que moi, je l'ai dragué. Je dis, ta femme a travaillé dans notre société. Je n'ai presque jamais causé avec elle. Presque jamais. En dehors d'un jour, je suis allé à la base de la télévision, sans appeler parce que je voulais voir si les employés étaient sur place. Voilà le jour où j'ai parlé avec ton épouse. Et on a parlé de votre mariage, en train de préparer votre mariage. Je lui ai posé des questions par rapport à votre mariage. Et ta femme ose dire si c'est vrai. Parce que là aussi, je ne sais pas. Que moi, je l'ai dragué. Et il m'a dit non, vraiment, il a compris. Mais il faut que j'appelle la maman là pour qu'elle dise que lui, il a dit ça. Ouais. Bon, je ne sais pas si c'est ça ou c'est pas ça. ou Ça les engage. Nous, on n'a pas servi Christ comme ça. Non, sincèrement. Tu ne peux pas prendre le nom de ton papa, colporter le nom de quelqu'un que tu pries que son manteau tombe sur toi. C'est-à-dire, à moins que tu bois le rat, il y a un problème quelque part. Moi, je ne peux pas ouvrir ma bouche. Laissez-moi vous dire une chose. Hein. Vous voyez, l'homme de Dieu que Dieu a mis devant moi, j'ai un père spirituel au Cameroun, Papa Christian Gou, c'est quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un que j'aime beaucoup, un père qui a une notion exceptionnelle. Et j'ai un autre père, lui c'est un père à distance, l'apôtre John Solomon, c'est un modèle en fait. C'est un modèle pour, à cause du, de la vocation de Rohé dans ma vie. Vous savez qu'un temps est arrivé où une dame, pas seulement une fois, Papa, papa euh, John Solomon, ces dernières années, a eu beaucoup de scandales avec les femmes. Beaucoup de scandales. Il a eu tellement de scandales qu'on dirait même qu'il a eu des scandaux. C'est ça la réalité. Il a eu beaucoup de scandales. Beaucoup de scandales. Des femmes qui ont dit qu'ils sortaient avec elles. Jusqu'à envoyer les photos, envoyer les conversations, envoyer les messages, des transferts d'argent. Les femmes l'ont fait. Mes amis, quand j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, quand je vois ça, je zappais. Je disais que ça c'est, mon père c'est mon père, je m'en fous de sa vie privée. Ce qui est important pour moi, c'est le manteau de Dieu dans sa vie. Qu'il ait fait ça ou qu'il n'ait pas fait ça, je m'en fous. Ce que je sais, je prie pour lui que le Seigneur le maintienne debout. C'est ça un peu la maturité. Et cette génération manque de maturité. Ta femme te raconte des anéries, des bobards. Tu ne prends pas ça, mais tu ne tiens pas ça, mais tu dis ok, allons sur le père. Tu l'amènes, on s'assoit, et elle te raconte, elle dit, elle répète devant le père que, Ok, voilà, c'est que le père, que papa, tu m'avais dragué. Sincèrement. Dans l'inceste, dans la famille. Donc, moi, je pense que euh, cette génération, elle manque de sagesse. Elle manque de sagesse. Tu insultes quelqu'un, tu malparles de ton père, mon ami. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous avez les bouches penchées. Eh, J'arrive, pardon. insulte ton père, mon ami. Tu veux mourir. C'est pour ça que beaucoup, beaucoup dans cette génération-là, il faut la Bible, l'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas du milieu de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Il y a, il y a quand même un respect qu'il faut avoir envers son père, même nos papas biologiques. Moi, je disais à quelqu'un, j'exhortais une de mes filles hier par rapport à sa maman, parce qu'elle me racontait ce qui s'est passé dans sa famille et tout, comment parfois elle se fâchait contre sa mère. Je lui dis non. Si ma mère est fâchée, je me tais, monsieur. Je me tais. Ma mère n'est pas mon égal. Non. Ma mère, je ne lui parle pas n'importe comment. Je parle à ma mère avec égard. Ce n'est pas mon égal. Oh, que c'est ma mère. Ce n'est pas mon égal. Ta mère, mon ami, elle te parle, tu réponds, c'est tu es malade dans ta tête. Ta vie est maudite. Ta vie est maudite. Ta mère ou ton père. Ta vie est maudite. Ta mère te parle, tu réponds, tu es malade. Tu es qui Non, sincèrement. Tu es qui Ta mère ou ton père Ton parent te parle et tu, tu lui réponds jusqu'à d'autres me tape sur le père. Vous êtes maudit en fait. Celui qui porte la main sur son parent, son père ou sa mère est sous la malédiction. Donc moi je pense que je vais chuter sur l'église de Côte d'Ivoire. Et ça je veux partager parce que je sors des moments de prière. Je suis en Côte d'Ivoire et je pense que le Seigneur va nous bénir. Pendant ces jours de programme, le 4, le 5, le 6, nous serons dans la salle de, de la synepsie à Yopougon-Sable tous les soirs pour la haute tension prophétique. Dieu va nous bénir, ça c'est clair. Ouais, l'église en Côte d'Ivoire, lorsque j'ai pris le temps pour méditer, prier par rapport à l'église de Côte d'Ivoire, et dans d'autres nations, je me suis rendu compte que les mêmes problèmes que nous avons au Cameroun sont les mêmes problèmes qu'il y a ici en Côte d'Ivoire. Les hommes de Dieu sont divisés, les églises sont divisées, les guerres intestines entre les hommes de Dieu. C'est un peu comme si le ministère était devenu... Euh, les gens travaillent pour leur vente. Les gens travaillent. C'est-à-dire que bon, si quelqu'un a coupé sa portion de terrain, là il a son petit territoire, si quelqu'un d'autre vient un peu empiétrer dans son territoire, ça devient le problème, comment à combattre la personne. Bon, ce n'est plus que nous voulons l'intérêt du royaume. C'est l'individualisme qui est en train de régner. Chacun est dans son palais, chacun est dans son cocon, chacun est renfermé sur lui-même, chacun est fier de ce qu'il fait et exclut les autres. Et ça, c'est le problème de l'Église en Côte d'Ivoire. Trop de guerre parmi les hommes de Dieu. Trop de lutte. Ça, c'est la première chose. Trop de guerre parmi les hommes de Dieu. Je reviendrai là-dessus. La deuxième chose, c'est... Il y a des réseaux où le nom de Dieu n'est pas créé en vérité. Des réseaux. Il y a des réseaux. Les hommes de Dieu font des réseaux et des réseaux. Et dans ces réseaux, en fait, ils savent qu'ils ont abandonné Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Je disais au Cameroun, avant de quitter, que quelqu'un peut me reprocher dans mon caractère. En tant qu'être humain, je ne suis pas parfait. Chacun a son tempérament. Ça, c'est clair. Mais personne. Ne peut me dire que je suis faux dans le ministère. Que mon amour pour Christ n'est pas vrai. Que mon engagement pour le ministère n'est pas sérieux. N'est pas vrai. Ça, c'est faux. À ce niveau, Dieu sonde lesquels, les cœurs et les Mais il y a des réseaux en Côte d'Ivoire, des réseaux des hommes de Dieu. C'est un peu comme s'il si y a des organisations mafieuses, des hommes de Dieu, où on ne cherche pas l'intérêt du royaume. La gloire de Dieu, on la cherche pas. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a abandonné les voies de Dieu, en fait. Les gens savent qu'ils ont abandonné Dieu. Mais ils font le ministère pour leur vente. Et à ce moment, ils ne disent plus la vérité. Mais ce sont ces réseaux-là qui prévalent. Toi, tu vas m'inviter. Quand tu arrives là, on va arnaquer. Vous savez ce qui est passé, la Fémania, je pense que la Côte d'Ivoire est quand même une grande base de Fémania. Oui, la Côte d'Ivoire. Donc, toi tu vas venir. Tu vas inviter ton frère, quand il va, avant de venir, tu lui passes des informations sur l'église, sur les fidèles et tout ça. Quand il arrive là, il fait comme si il prophétisait, il donne des révélations, etc. Et puis le nom de Dieu est blasphémé. Vous savez, la Bible dit maudit soit la sentinelle qui dit ainsi parle l'éternel lorsque l'éternel ne l'a pas envoyé. À chaque fois que tu te lèves, tu dis ainsi parle l'éternel et que ce n'est pas l'éternel qui t'a envoyé, tu portes une malédiction sur ta tête. Tu es maudit. C'est la Bible qui le dit. Tu es maudit. Voilà pourquoi nous devons tourner nos langues cette fois avant de dire aux gens ainsi par l'éternel. Sois sûr que l'éternel t'a parlé. Mais aujourd'hui, il y a dans ces choses-là, il y a ce faux. Il y a ce faux en Côte d'Ivoire. Il y a ce faux. Il y a ce faux-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prophètes qui font dans le faux, en fait. Beaucoup d'hommes de Dieu. Beaucoup de prophètes, surtout de prophètes. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune vision spirituelle. Ils n'ont aucune vision de l'esprit. Dieu ne leur est jamais apparu. D'ailleurs, même, ils n'ont même pas le temps de Dieu. Ils n'ont pas des temps d'intimité. Dieu ne les connaît pas dans sa présence. Tu peux avoir un prophète, un prophète, quelqu'un s'appelle prophète, mais il ne peut pas s'enfermer pendant une heure, deux heures, trois heures, quatre heures parce qu'il prie. Check quel genre de prophète. Tu entendras donc quoi de Dieu, tu recevras quoi de Dieu pour amener ça vers le peuple. C'est ça le problème. Donc, c'est des personnes qui sont dans des réseaux. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit de dire. Je suis désolé, je demande pardon pour ceux que j'aurais à blesser. Et ces personnes-là n'ont aucune crainte de Dieu. C'est-à-dire, marchent dans ces réseaux, vont dans des boîtes de nuit, vont dans des bars, ont, sont en compagnie de bonnes soeurs, de belles soeurs, de belles filles avec qui ils couchent, avec qui ils partagent des intimités, quoique étant mariés pour certains. Et pour ceux qui sont célibataires, là encore c'est pire, buvant, menant joyeuse et brillante vie, et cependant, venant à l'église dimanche pour prêcher Jésus-Christ. Et c'est ça le problème. Ça, c'est les choses que Dieu m'a montrées en Côte d'Ivoire. Et lorsque je suis venu ici dernièrement en Côte d'Ivoire, j'ai failli. Euh, avec, on a, le prophète et moi, on a fait face à cette réalité-là. On a fait face à cette réalité. Cette réalité des hommes de Dieu qui viennent, ils veulent vous inviter. À sortir boire et vous demande, il peut, vous propose qu'on peut vous trouver de belles filles qui vont vous entretenir pendant votre séjour, mes amis. Proposer des femmes pour dormir à l'hôtel, dormir à l'hôtel. Maintenant, je pose une question. Tu es un homme de Dieu. On te connaît, les gens te voient. Tu viens à l'hôtel, tu dors avec les femmes. Ça va se passer comment? Les gens vont te respecter comment? Les gens vont considérer quoi? Les gens vont dire quoi? Moi, je pense qu'on euh, doit faire attention. Nous devons faire beaucoup, beaucoup attention. De cette chose-là, et, et ces réseaux-là, ça veut dire que des hommes de Dieu qui sont dans des réseaux entre eux, ça veut dire qu'ils frappent, les gens faut la féminia dans l'église. C'est des fémaines dans l'église. Ils trompent les brebis. Quelqu'un invite quelqu'un, comme quelqu'un homme de Dieu m'a invité un jour, euh, ça fait plusieurs années avant que je commence mais le ministère, il dit que vraiment, l'homme que je veux présenter aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vient de loin. Euh, il a traversé l'océan Atlantique et Pacifique et son avion a atterri. Ça ne fait pas longtemps. Il a pris la peine de quitter très loin dans un pays lointain. Je ne veux pas vous donner le nom parce que ça va vous troubler. Et il a pris l'avion. Son avion vient d'atterrir. Il ne s'est même pas reposé. Il a laissé ses choses juste à l'hôtel. Il est venu. Donc, je me suis retourné pour, pour regarder. Peut-être il y avait un autre orateur qu'on avait invité dans l'église. Mais je me suis rendu compte que c'est de moi qui parlais. Frère, à cette époque, je n'avais même jamais vu l'avion à moins de 10 mètres. Non, que dis-je? À moins de 100 mètres. Je n'avais jamais vu l'avion à 100 mètres de moi posé. Je voyais les avions au ciel. Je n'avais jamais touché l'avion avec ma main. Mais le monsieur me présente comme venant de loin. Je savais que l'océan Pacifique, Atlantique, c'est de quel côté Si tu me demandais d'aller te monter ça, c'est que je vais te monter le foury. Là, on va me dire non, ce n'est pas l'océan Pacifique ici, ça c'est le fourri. Mais il dit... Et avec sérénité. Et les gens applaudissent. Et les gens me regardaient comme un bengiste, C'est-à-dire comme quelqu'un qui vient d'un bain. Pourtant, je ne savais même pas de quel côté on passe pour arriver à un bain. Et c'est ça donc. C'est ça la vérité en fait. Vous voyez Des gens qui peuvent mentir à leur église. À leurs églises. Tu invites quelqu'un dans ton église. Toi-même, tu lui donnes les informations. Tu t'entends avec la personne. Que tu vas, telle personne-là s'appelle comme ça. Tu vas dire tes choses, tes choses, tes choses. Quand la personne fait comme ça, là, après, tu vas me susciter l'argent. Quand tu viens prêcher chez moi, là, gars. Tu Sufficient-moi 20 millions. Faites tout pour que les gens s'y sortent 20 millions. C'est ce qui est en train de se passer en fait, ici en Côte d'Ivoire. Pas seulement en Côte d'Ivoire, même aussi au Cameroun dans d'autres nations, ça se passe, mais je parle de ce que le Seigneur m'a permis de voir dans la Côte d'Ivoire. Et pendant mon, mon séjour ici, je vais vous révéler tout ce que j'ai eu à voir dans cette nation. Donc, et après, on prend l'argent des brebis. On pas fêter avec les prostituées, avec les sœurs de l'église. Si tu es sœur dans une église, tu acceptes de coucher avec ton pasteur, tu pars, tu couches avec lui, vous montez, vous êtes dans les boîtes de nuit, vous êtes ici, vous montez, vous descendez, il y a un problème. Tu as un problème spirituel sérieux, tu as besoin de délivrance en fait. Moi je pense aussi que parfois, les sœurs dans nos églises doivent apprendre à protéger leurs pasteurs, leurs hommes de Dieu, protéger les lampes que Dieu vous a données. Ouais. c'est Ce n'est pas que ton pasteur vient, il te dit que montre-moi tes jambes, tu as Il te dit, que, il te dit eh, bonjour ma soeur, tu as des cartes, tes les jambes. Tu dois apprendre à protéger ton père spirituel. Tu dois être capable de dire à ton papa spirituel que non. Donc moi, quand je vois une femme se lever pour dire, oh, j'ai couché avec l'homme de Dieu là, l'homme de Dieu a abusé de moi, j'ai couché avec lui, pourquoi quand vous couchez ensemble, tu n'es pas venu nous dire que ah, le goût là est bon? Pourquoi tu n'es pas venu dire aux gens que, oh, l'homme là, il est folie, hein Le goût est bon. Pourquoi c'est quand il y a les problèmes, toujours que ces histoires-là viennent dehors. Tu n'as même pas honte de venir dire que tu as couché avec ton pasteur. Tu ne vas pas avoir honte. Tu veux couvrir ta face là avec un tissu de Jacques, On ne sache même pas qui tu es. Mais tu viens exposer ta propre honte. Sur les réseaux sociaux, que okay, j'ai couché avec un homme de Dieu. Tu, tu es malade dans ta tête, tu es agent de Satan, mais Jézabel. Comme si on t'avait mis le pistolet à la table que va coucher avec lui. Quand tu écartais tes pieds, tu devais, tu créais que c'est bon, c'est bon, c'est bon, vas-y, vas-y. Tu n'as pas fait passer ça sur Facebook. Maintenant, comme c'est gâté, peut-être le projet de mariage c'est gâté, ou bien je ne sais pas ce qu'on t'a promis c'est gâté, maintenant tu viens, maintenant, dis oh, l'homme de Dieu là c'est un faux prophète. Si tu savais que c'est un faux, toi-même tu es une fausse, fausse prophétesse ou bien une fausse chrétienne. Voyez. Les, les femmes à l'église doivent faire attention. Apprenez à dire non à vos pasteurs. Ton père spirituel te dit, il te drague, il veut coucher avec toi. Sois capable de lui dire, mon papa vit éternellement et que mon âme vit aussi. Je ne veux pas, je ne peux pas participer à faire tomber ton ministère. La femme sage le dit et Dieu te bénira, Dieu te gardera et te donnera un bon mari. Mais toi-même tu veux, toi-même, toi-même qui as commencé à venir avec des mini jupes, tu t'habilles, tu passes sans caleçon, tu balances des fesses comme si c'était un objet de foire. Dieu t'a donné ça pour aller balancer ça devant ton père spirituel. Quand tu vas à l'église, tu t'assoies toujours au premier bar avec les mini Avec Tu vas comme si tu as oublié les pieds sur le quartier comme ça et ton père voit l'interdit. Et Satan en entre dans ton père. Mais le message, il perd la référence biblique. Mais le thème, il oublie. Parce qu'il a vu ce qu'il ne devrait pas voir, ce qui lui a interdit. est interdit. Ce que ses yeux ne doivent pas voir. Maintenant, l'homme de d'autrui veut prophétiser, c'est le, le strings qu'il voit partout. Il veut prophétiser, c'est les fesses qu'il voit partout et son esprit est troublé et à la fin il, il va te faire le test ok, je vais prier pour toi ouais. donc moi je pense que nous devons faire attention la responsabilité d'homme de Dieu elle est très compliquée elle est complexe, ça ce n'est pas les jeux. surtout lorsqu'on est jeune les tentations sont énormes lorsque tu vois un homme de Dieu qui fait le ministère pendant 10 ans il n'est pas tombé, non il faut, il faut bénir Dieu pour lui, il faut fêter lorsque j'ai eu 10 ans de ministère, mes amis, j'ai dit merci à Dieu. Dix ans, je suis encore debout. J'ai dit, ah Seigneur, mais ben, ça c'est extraordinaire. Ça c'est important, il faut dire merci à Dieu. D'autres n'ont pas atteint cet âge-là, ils sont tombés. Donc, comment un homme de Dieu peut aller en boîte de nuit Expliquez-moi ça. C'est ce qui se passe dans ce pays, même au Cameroun. Mais après, ce sont les mêmes hommes de Dieu qui vont combattre, ceux qui se battent quand même avec la sanctification. Hein, et que Dieu bénit. Laissez-moi vous dire une chose. Pour savoir si un homme de Dieu marche avec Dieu, regardez son fruit. Jésus a dit, vous les reconnaissez à leur fruit. Ça c'est un baromètre clair, simple et propre. Lorsque les gens disaient de Jésus-Christ qu'il qu chasse les démons, pas les princes des démons belzébus, il a dit ceci. Si vous ne croyez pas en moi, il n'y a pas de problème. Du moins, croyez à cause de ces œuvres que je fais. Lorsque Dieu est présent dans la vie d'un homme ou d'une femme, ça ne s'ignore pas. On n'invente pas Dieu. On ne crée pas Dieu. Lorsque Dieu est là, on sait que Dieu est dedans. On le sait. Parce que lui-même se défend. Dieu se défend lui-même. Il parle par lui-même. Donc maintenant, toi, tu as abandonné les voies droites du Seigneur. Tu t'es corrompu. Maintenant, tu couches avec qui tu Il n'y a pas de frais. Il peut arriver peut-être que non, le Dieu tombe dans l'adultère, comme ça arrivait avec David. On peut le comprendre. Mais lorsque ton zizi devient un micro trottoir, un micro baladeur. Voilà pourquoi j'ai dit qu'un berger, dont le zizi est incirconcis, inconverti, dont le zizi n'est pas né de nouveau, est un danger ambulant dans la bergerie. Il faut l'enlever de la bergerie le plus tôt possible, sinon il y aura des victimes. Il y aura des dégâts collatéraux. C'est ça la vérité. Nous sommes obligés d'être des modèles. Parfois c'est compliqué, c'est vrai. Tu peux comprendre que tu as une faiblesse, tu es tombé, c'est arrivé, tu t'es relevé, au oh frère, tu t'es battu, tu as dit non, Seigneur, j'avance et tout. Mais lorsque le péché devient ta vie, quel modèle est-ce que tu vas donner au brebis C'est ça, en fait, la question. Un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. Quelqu'un qui est dans le trou ne peut pas sortir, quelqu'un qui est dans le trou du trou. Il faut quelqu'un, tant que tu n'as pas vaincu une bataille, tu ne peux pas aider ceux qui sont vaincus par cette bataille en fait. Non, il n'y a qu'un sauver pour sauver, un non-sauvé. Un non-sauvé ne peut pas sauver un non-sauvé en fait. Donc il faut que les gens comprennent cela. Et les femmes, arrêtez de nous séduire, laissez-nous ce quoi avec vous. C'est même quoi, on fuit le péché dans le monde, on vient dans l'église, c'est là que les vraies tentations commencent. Quand j'étais au séminaire de théologie, je me souviens qu'il y a une jeune femme, j'étais assis tranquillement, il y a une soeur, elle suivait la même formation pastorale que nous. Et elle, elle balait elle en face de moi, sans soutien, mes amis. Sans soutien. Et j'étais dans un esprit de prière, je cherchais Dieu. Quand j'ai regardé comme ça, j'ai vu ses seins balancer. Comme deux mandarines. J'ai enlevé mes yeux. Quand j'enlève les yeux, la seule contourne du côté où ma tête est, elle continue à balayer. Et elle balait comme ça, elle fait le mouvement avec son corps, et il y a la réverbération sur ses seins. Comme les vagues euh, de l'océan du côté de Kribi. Après, j'ai détourné encore mon regard. La soeur contourne encore, elle en face. Après, j'ai dit C'est comment Ma soeur, c'est comment Parce que l'école biblique, le de théologie, les assemblées de Dieu à, 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 à Banga là-bas, c'est en brousse. Il n'y a même pas la lumière, pas l'électricité là-bas. J'ai dit Ma soeur, c'est comment On fuit le péché en brousse, en ville. On vient se cacher ici en brousse, avec les moustiques et tout. Vous venez encore nous tenter ici, comment Et elle s'est excusée. Elle s'est retenue. Donc, moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent cela. Et en ce qui concerne la division, parce que quand tu sers Dieu, il faut te forcer à être quand même un exemple pour ton troupeau, un modèle. On ne dit pas que tu es parfait. Personne ne peut être parfait. Ça, c'est clair. Mais il faut donner que Dieu lui-même voit que tu as fait le maximum. Que tu donnes le meilleur de toi pour être une bonne personne, pour être un bon berger, pour être un bon père pour tes troupeaux, pour ton troupeau. Ça, c'est très important. Il faut que les gens comprennent cela. Et la deuxième chose que Jésus a dit, c'est les divisions parmi les hommes de Dieu dans cette nation. La Côte d'Ivoire est parmi les lampes de l'Afrique. En ce qui concerne les hommes de Dieu, vous avez des grands hommes de Dieu dans cette nation. Des hommes. bon, il n'y a pas de grands, de, de grands hommes de Dieu, mais vous avez des, 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 des hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment dans votre pays, que ce soit des prophètes, que ce soit n'importe qui. Et je me souviens que quand je suis arrivé ici pour la première fois, mes fils, mes enfants, m'ont parlé d'un prophète. D'un bien-aimé ici en Côte d'Ivoire. Ils m'ont dit Non, c'est un faux prophète, il fait ceci, il n'est pas sérieux, il fait cela. Je leur ai dit que, Mes enfants, ce si que vous faites est très dangereux, ne tuez pas vos prophètes. Ne mal parlez pas de vos prophètes. Cet homme est un don de Dieu pour vous. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas une dispensation qu'une personne est fausse. Non, mes amis, il faut faire attention. Dieu peut faire accéder quelqu'un où tu n'as pas encore eu accès, tu ne comprendras pas ces personnes parce que les mystères auquel il a part, tu n'as pas part à ces mystères. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dimanche. Lorsque Adam et Ève ont été créés, Dieu a fait de des cultivateurs. Parce que tout ce dont Dieu avait besoin, c'était d'un bon cultivateur, un agriculteur. Quelqu'un pour cultiver le jardin d'Éden. C'est tout ce dont on avait besoin. Mais en cultivant, ils ont mangé, ils ont trouvé dans le jardin un fruit. Le jardin qu'ils cultivaient, ils ont trouvé un fruit. Ils ont mangé de ce fruit, ce fruit les a séparés de Dieu. Or, vous savez que les fruits, c'est le résultat de l'agriculture, de la culture de la terre. C'est parce qu'ils étaient cultivateurs. Quand on est cultivateur, on a des fruits, on a des légumes. Donc les fruits font partie de l'agriculture. C'est le produit de l'agriculture dont leur vocation, la dispensation d'agriculture ou d'agriculteur que Dieu leur avait donné, les a tués. Ils ont ils, ils ont échoué dedans. Parce qu'un produit de l'agriculture, de leur agriculture, les a tués. Maintenant, ils ont eu deux fils. Un juif allait offrir une offrande à Dieu. Le premier, Caïn, il est agriculteur comme son père et sa mère. Mais Abel ne suit pas la voie de son père et de sa mère. Non. Abel lui, il décide d'inventer son chemin. Il est berger. Parce qu'il avait compris quelque chose que son père et sa mère n'avaient pas compris, que Caïn n'avait pas compris. C'est-à-dire il ne faut pas imiter nos parents bêtement. Si ton père, ton père ou ta mère a suivi une voie qui a mené à la ruine, mon ami, ne suis pas ton père dedans. Ne dis pas bêtement que non, c'est mon père. C'est pas comme j'entends les gens dire que non, mon père est catholique. Mon grand père est catholique. Moi aussi je suis catholique. Mon ami, on ne suit pas bêtement les parents. On ne suit pas bêtement les religions. <coughs> Pose-toi la question est-ce que mon père et ma mère, en suivant ces religions, ont été sauvés Pose-toi ces questions. S'ils n'ont pas été sauvés, à la suite, une autre voie. Si ton père et ta mère ont suivi une mauvaise voie qui les a menés à la ruine, ne dis pas que c'est mon père et ma mère, alors moi, je vais le suivre. Abel a dit non. Mon père et ma mère ont été cultivateurs. Ah, J'ai vu ce que ça a mené dans leur vie. Je ne vais pas suivre cette vie-là. Moi, je serai berger. Parce qu'il avait compris que la dispensation de ses parents était obsolète. Elle était finie. Elle avait échoué. Et parce que l'homme avait péché, il a compris qu'il fallait qu'il soit un berger. Qu'il offre à Dieu plus les fruits de la terre. Parce que Dieu n'en avait pas besoin. Dans le Jardin d'Éden, oui, ça aurait été vraiment une affaire excellente. Une offrande excellente pour Dieu. Parce que dans le Jardin d'Éden, on ne tuait pas d'animaux. Mais après le Jardin d'Éden, après la chute... La séparation a eu lieu, il fallait quelque chose qui réconcilie Dieu à l'homme et Abel a compris que la dispensation de l'agriculture était terminée, elle était bouclée, il y avait maintenant une autre opportunité dispensationnelle qui était la dispensation du berger de la brebis. Voilà comment il devient berger d'un troupeau. Et la Bible dit que lorsqu'il fait son offrande, il donne les premiers-nés et en cela, il y a une typologie de Jésus-Christ. Jésus a dit, il est le bon berger. Moi, je suis le bon berger. Donc, Abel était ce bon berger qui représente Christ, en fait. Et en même temps, vous savez que Jésus-Christ, en même temps, porte la dualité du berger et de la brebis Il est en même temps berger il est en même temps la brebis l'agneau. voyez, ouais, c'est un mystère avec Christ. Il est le berger des agneaux et des brebis il est en même temps lui-même un agneau. Donc, ça fait que Abel était un, un type de Christ, qui est le bon berger, et, et il a offert le premier-né. La Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né parmi beaucoup de frères. Il est notre premier-né. C'est-à-dire celui qui a inauguré la résurrection dans le sens christologique. Et donc, ce premier-né, en réalité, représentait encore Christ, qui, qui devrait être offert sur la croix l'autel représentait la, la croix. Donc lorsque Abel a offert l'agneau à Dieu sur la croix, bon, ça, la Bible ne dit pas agneau, mais on le suppose, la brebis ou bien l'agneau, le premier nez, donc il a offert le premier nez. Et donc Dieu a été attiré par ça parce que Abel avait compris qu'on avait besoin de la nouvelle alliance, la mort de Christ sur la croix pour être, pour être réconcilié avec Dieu. Et le, 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 berger, le berger, Abel représenterait aussi Dieu. Dans une autre explication, Abel représenterait Dieu et les premiers-nés représenterait Jésus-Christ, qui est le premier-né de Dieu, le tout monogénèse, le monogénèse tout C'est-à-dire que le premier-né, le fils unique engendré de Dieu. Ouais. C'est un peu ça, ça premier-né. Ouais. Abel va offrir les premiers-nés. C'est un comme Dieu qui nous a offert son premier-né. Ouais. Donc, il faut qu'on comprenne cela. Il a compris quelque chose. Mais Caïn n'a pas compris. Et puis, Caïn échoue. Et il met la responsabilité de son échec sur son frère. Comme si c'est son frère qui lui avait dit d'offrir les fruits. Ou de ne pas comprendre le changement de dispensation. C'est la même chose dans l'Église de Côte d'Ivoire. Les hommes de Dieu ne se comprennent pas dans leur dispensation. Et certains vont prendre cette différenciation dispensationnelle ou ces incompréhensions dispensationnelles pour prêcher contre les autres, combattre les autres, condamner les autres, dire du mal des autres, calomnier les autres. Ce n'est pas nécessaire. Si tu penses que ton frère a fait mal, va d'abord vers ton frère. Parle avec lui. Tu peux être en train de te tromper. On est des humains, mes amis. Tu peux mal interpréter quelque chose, tu peux mal comprendre quelque chose. Et Jésus-Christ a dit que le temps vient, il est déjà venu, où les hommes vous feront mourir, pensant rendre un culte agréable à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire qu'ils sont sincères. Ils pensent qu'en faisant mourir tel frère, telle sœur, en combattant telle église-là, ils rendent un service à Dieu. Pourtant, ils combattent Dieu. De la question que chacun doit se poser. Est-ce qu'en combattant ce frère, je ne suis pas en train de combattre Dieu quelque part Parce que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Elle est supérieure par rapport à nous. On ne connaît rien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 13 Ek merous kai ek merous omen. Il dit Nous connaissons, mais c'est les merous et nous prophétisons, c'est les merous. Merous en grec signifie une partie infinitésimale, une partie pétissime par rapport à la toutime comme pour dire que nous ne connaissons rien en réalité. De bien aimer l'église de Côte d'Ivoire, si elle était unie, serait une église très puissante. Elle est déjà puissante, mais elle est comme un géant au pied d'argile. Je ne pense pas à la grâce de Jésus-Christ. Demain, je continuerai sur le message sur l'église de la Côte d'Ivoire. Et puis, je parlerai aussi de la politique, c'est-à-dire du, du, du gouvernement, la politique, les choses qui doivent arriver prophétiquement parlant, sans m'ingérer dans les histoires internes de la nation. Mais en tant que prophète, nous devons parler parce que Dieu a quelque chose à dire. Dans cette génération, et Dieu a quelque chose à dire dans la Côte d'Ivoire. Donc rendez-vous le 4, le 5, le 6, mardi, mercredi, jeudi, ici à Yopougon, euh, sable, dans l'auditorium de la Synapsie. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, je vous en supplie, par les compassions compassion de Jésus. Passez l'annonce autour de vous dire que le prophète Canin Ferdinand est sur place. Nous allons passer toute une semaine ensemble. Mardi, mercredi, jeudi, dans la salle de l'auditorium de la Synapsie, euh, tous les soirs à partir de 17h, pour trois jours de haute tension prophétique. Et après cela, nous aurons la conférence d'impartition. C'est quelque chose à que aussi. Il y a quelque chose que tu attends de Dieu, que tu as vu dans mon ministère et que tu crois qu'en te connectant à ce ministère, Dieu t'accordera cette chose. Il y a une limite que tu veux traverser, une barrière que tu veux renverser. Inscris-toi pour la conférence d'impartition. Donc les badges seront disponibles à partir de ce mardi à, à Yopougon. Donc inscris-toi et aide ta bouteille d'huile de faveur neuve. Déjà pour la prière et pour la conférence d'impartition, parce qu'on va verser lui sur la tête de chacun. Et Dieu te bénira certainement. Et après cela, samedi, j'aurai un tête-à-tête -tête avec tous les partenaires que nous allons susciter pendant ce programme qui veulent soutenir financièrement notre ministère et les campagnes d'évangélisation, que ce soit en Afrique ou bien en Europe. Le Seigneur les bénira certainement. Donc, à Yopougon, euh, l'auditorium de la synapsie, c'est tous les soirs à 17h. Tous les soirs à 17h et que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ nous restons en prière, continuons à prier passez l'annonce, s'il vous plaît partagez l'annonce de mon arrivée en Côte d'Ivoire, si vous êtes en Côte d'Ivoire ou bien vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, partagez le prophète et en Côte d'Ivoire, dans Youtube dans Facebook partout, vous pouvez le partager s'il vous plaît dans tous les réseaux sociaux où vous êtes faites-le et soyez partisans de la bénédiction de cette nation et le Seigneur ne vous oubliera pas et sera écrit dans votre livre de souvenirs tout le bien que vous aurez fait à l'église euh, de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. J'aurai euh, la joie, j'ai cette immense joie de vous retrouver demain. Demain, euh, je ferai un direct le matin et puis je ferai un autre direct le soir à 21h de Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse. Et je souhaite bonne nuit et je veux prier avec toi. Père, je prie pour mes bien-aimés qui sont connectés, que ta grâce soit leur partage et que chacun dorme comme un bébé. Que tes anges nous accompagnent et Seigneur, montre-nous des choses à venir. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye. Shalom. Merci pour votre.